de Gascogne et pute de Vincennes. C'est possible qu'on ait entendu une partie. J'avais dit Vincennes, arrête de te taper la quiche, ça rend sourd. Moi j'aime bien la quiche, mais je suis pas de la Lorraine. Eh ben bon. Eh ben bon, la quiche. Ah putain, ça commence fort. Et ça... Putain, je vais pas y arriver. Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille de Old School Game Universe.blogspot.fr et je me retrouve une dernière fois pour cet épisode 2 Dark Dems et Ecus Templari. Salut. Bijour. Bonjour. Bijour. Bijour, pas chère la chamelle, pas chère. Je vois ma femme. Donc c'est Zombie Army Trilogy, le dernier épisode de l'épisode 2, avant d'attaquer le troisième et dernier épisode. Allez, c'est parti, on est prêt. On lance le bordel. D'or. Tour des enfers. Ouais. Ouais, je vais garder ma SBT 40 en fusil. Non, pas moi, moi j'ai le Lee Enfield, il est pas mal. Tu sais quoi? Je vais l'essayer, tiens. Quoi? Allez. Je l'essaye, mais je garde mon pompe. Je garde mon pompe et puis pistolet, on s'en sert jamais, mais je vais prendre le Luger, tiens. Allez, c'est parti. Allez, je teste le MP40 avec la M1. Le Enfield. Attention, t'as moins de 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Je l'ai dans... Ah, pourtant, je te l'ai dit. Je l'ai dans le tunnel. Ça tombe bien, on sort juste du tunnel. Bon, en tout cas, très très bon jeu, quoi. Franchement, qu'on conseille à tous, quoi. Tous ceux qui aiment bien les TPS, les jeux de tireurs d'élite. Moi, perso, j'adore. L'autre était à côté de moi. Il bougeait même pas, quoi. C'est ça. Eh hey, les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'arthrite? Je te jure, t'en avais un tout à l'heure, mais vous le verrez dans une vidéo. Il y a un moment donné, t'avais un gars. Je sais plus dans quel niveau que c'était, mais il était devant moi, il bougeait pas. Ah oui, non, mais je te c'était... dis. C'était trop drôle. Ah bah, les pauvres, ils ont de l'arthrite. Ils ont de l'arthrite, hein. Ah, ils ont mal, hein, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire, passer ça? Ah. Parfait, fifelet, l'oubli. Ouf. Tiens! Tu t'en sors? Ah bah, j'ai fait péter avec une kill cam l'autre con là. Ah ah. Le kamikaze. Voilà, c'est bon. Non, pas le but. C'est quoi le trophée? C'est une serpillière? Je sais pas quoi. Oh, c'est un succès que je dois avoir déjà. Sans doute, ouais. Alors moi qui fais pas du tout la chasse au trophée en plus. Ça bah fait plusieurs sur le coup mais ça sert à rien, c'est ça qui est con. Hein? Je la fais sans le faire donc Oh putain non. J'avais oublié l'épisode 3, l'épisode du bunker.
Quoique là on est 3, donc ça devrait aller. Mais... ouais, mais on est encore dans l'épisode 2, on n'est pas dans le 3. Ouais, non, mais là c'est le dernier niveau du 2, donc le 3, autant le dire que... voilà quoi, on est... Mais sérieux, mais hein? Qu'est-ce que j'ai à viser comme un borne? Putain, d'habitude, alors je vise mieux que ça. Là, je mets toutes mes balles à côté. Non, oh, mais arrête, moi c'est pareil, là, dans les niveaux d'avant, je visais que... je visais mal. Oh, putain, ça promet. Hein. T'inquiète, là ça va. Ah ouais, non, mais moi je m'inquiète pas, mais c'est juste que si t'es avec une meuf et que t'as du mal à viser... Non, ça pour ça t'inquiète pas, y'a pas de problème. C'est un peu bizarre, hein. Non, ça va, y'a pas de problème pour ça. Oh, mais puis... ah mais j'ai quoi, sérieux, à viser comme un aveugle, quoi. Viser comme un aveugle. Fous-toi à côté, quoi. Eh, hey, dégommez pas la bonbonne tout de suite, ah, parce qu'elle va, elle va servir, tu vas voir. D'accord. Si tu fous voilà. Tout, si tu qu'est-ce fous que je t'avais dit, Marco? C'est pas moi. C'est notre bourrin qui a tiré. Non, mais dégomme pas tout. On va avoir une MG42 en plus. De toute façon, même si on l'aurait pas fait, c'est lui qui l'aurait fait. Ouais, je t'ai aidé là, Marco, parce que tu étais un peu dans la merde. Là. Ah putain, mais qu'est-ce qui vous gêne là? Derrière toi, Marco. Putain, mais qu'est-ce qu'il a à bouger comme ça, qu'il est chiant lui? Putain, mais... ah, ils sont chiants, hein. Oh, tu vois, moi aussi, je visais à côté. Mais, des fois, j'aime bien leur tirer dans le corps pour les démembrer, et en plus... bah, c'est rigolo, quoi. Eh, oh, tu vas te détendre, toi? Ah, bah, écoute, il me donne 10 balles. Ah. Voilà. C'est bon, c'est fini le carnage. Ouais, enfin c'est fini. C'est fini le carnage. Oui, c'est fini la montagne. Il reste encore des nazis. Bah vu comme ça gueule, oui. T'inquiète. T'inquiète pas pour ça, va. Mais bon, j'adore le bruit côté fait. Il court à côté des citernes, quoi. Et ça fait rien. Lui, il s'est fait cramer la gueule. Ah, tu voulais te le faire, hein, tes quotas. Ah, oui, je voulais. Ah là, je te l'avais dit qu'il y avait un copain là.
Ouais, il y a la MG saucisse. Casse-toi le feu. Ah, écoute. Bienvenue, zombie schlutiste. Voilà. Ouais, non mais mine de rien, le fusil à pompe, quand même, ça aide. Ah oui, ça. Ça vaut pas le prêcheur contre lui, mais ça aide. Un invocateur de merde. Ah bon? Ouais. Je sais pas où il est, mais il invoque ses merdes en tout cas. Fous pas devant moi. Qu'on lui a mis dans la foire. Ah bah on a tous tiré chacun notre tour. Ah, un avion qui s'écrase. Bah écoute, ma foi aussi il s'écrase. Bienvenue dans le bunker. Oh, mais attends. Mais oui, le bunker. Oh là là. Eh oui. Ah, ah oui. Ah, que d'émotions, moi. Ah, je m'en souviens bien, là. Ah là là, Marco. Ah là 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 là. Ah là là. Crois-moi, tu vas le sentir. Non, mais quoi qu'attends, on était deux l'autre coup. Hein. Oui, on était deux. Quand vous êtes prêts, rejoignez-moi en bas. Bah c'est sûr que là, le nombre d'ennemis pour deux, normalement, ça devrait, on devrait bien s'en tirer, quoi. Voilà. Bon, bah, viens parce que on va bientôt mourir. Allez, viens. Tu sais, je l'encourage à me suivre, tu sais. Ah, mais attends, j'ai 3 grenades. C'est pas bon, ça. Ah, il en faut au moins 4. Surtout pour tous ces cons. Ah mais non, attends, c'est bon. C'est pas grave, ça va suffire de toute façon. Ah ouais non, c'est pas tout de suite encore. Qui t'a dit de péter la bagnole? J'ai pas pu résister. Moi non plus. Il va falloir défendre les positions. Oh, qu'elle sert à rien. Oh, elle sert à rien. Bah non, parce que tu peux pas viser totalement sur la gauche, alors... Au suivant. T'as remarqué, Marco, que quand tu joues tout seul au jeu, t'as beaucoup plus de kill cam. T'as beaucoup plus d'ennemis aussi. Défendre soi-même, c'est un peu chaud.
Ouais. Tiens, voilà lui. Il est à terre. Comme ça, il expose des potes en même temps. C'est bien parce que lui, comme ça, il pète ses potes. C'est bon, quoi. Ça, quand t'es en manque d'explosifs. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. T'en as un de secours. Quand j'en vois plus de zombies au fond. Je sais pas où ils sont, hein. Ouais, on va peut-être s'approcher. Attends, non, fais gaffe, il y a un sniper. Ah bah. Je les ai dégommés. Ça m'étonne, pourquoi on peut pas... Ah d'accord. Hein? Il y en avait un là. Ah bon? Il y en a encore un autre. Et je sais pas où. Ah voilà. C'était un skull, d'accord. C'est ça. C'était un skull. Ça devait être quoi ici, un genre de hangar, c'est pas bien. Enfin un camp militaire, je veux dire. Bah ouais, j'en ai bien l'impression, ouais. Oh oh. Il y a des chars qui sont même pas pétés, quoi. Ah. Oh. Bah aujourd'hui c'est pas ma journée, hein. Je vise comme un aveugle sur les bords. Tiens donc. Ah d'accord. Grenade. Voilà. Comme ça, ça s'est fait. Ouais. Si je pouvais même récupérer mes balles de... Il y a de la fumée verte, ce qui veut dire qu'il en reste. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon. C'est bon. Non, ça s'est dégagé. Ok, très bien. Marco, on t'attend. Les gars, vous avez dit de pas jouer à saute-mouton, hein. Ah bah ouais. Mais... Oh non. Non, je me suis trompé. Il est où le pompe? Ah, voilà. On y va? Bon ben adieu hein. Parce que là moi je reconnais. Ouais t'inquiète, tu stresses trop. Moi? Tu rigoles ou quoi? Seconde. C'est là que je me dis qu'ils auraient dû foutre le prêcheur ici quoi. Non, tu veux en avoir besoin, fais pas le con. Bah non, mais t'inquiète pas, y a des munitions juste à côté. Tu fais, Marco. J'avais dit d'attendre 2 secondes, voilà. Bah non, mais y a pas de problème. Quoi? On a rien ouvert. Mais non! Là, ah. Regardez, là, de mon côté. Mais attention, il y en a un qui est là. Voilà. Et ensuite, on monte. Alors, c'est Marco, c'est cette porte-là qui est ici qui va s'ouvrir après. Hein? La porte qui est là en bas, après, elle va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on passe par là après, je crois. Il me semble, hein. Ah, mais non, faut qu'on monte escalier.
Non, c'est... Non, c'est par le haut. Autant pour moi, j'ai rien dit. Ouais, la première fois, on savait pas, on s'était fait avoir. Voilà, donc ça, c'est l'inconvénient, c'est qu'il y a même des kamikazes qui viennent nous casser les pieds. Ouais, bon, en même temps, je crois qu'on jouait aussi dans un niveau plus difficile, donc... C'est pour ça qu'on a galéré aussi, alors que là finalement on n'a pas galéré du tout. Non. Bon bah j'ai rien dit Marco, finalement c'est passé tout seul. Tu peux remonter. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah il en termine un ou deux. Ah mais attends, il y a un invocateur, attends. Ah bah voilà. Voilà, ça y est. Il est mort. Antalgique. Je regarde quand même, mais... Allez, ma couille! Bah, tu vas pas te faire tous les zombies qui y arrivent, si? Non, mais c'est bon. Et maintenant, oh, fallait où? Tu termines de monter l'escalier, là. Je suis dans les tranchées. Voilà. Ah, prêcheur. Oh, il y a le prêcheur. Vas-y, Alex. Ah, oh, merci, c'est sympa. Je tiens. Oh. Alors, Marc, toi, si tu veux un fusil à pompe, hein. Ce passage non, avec le prêcheur, Alex, tu vas bien nous aider avec le prêcheur pour ce passage. Ouais, je me rappelle plus ce qu'il y a là. Je sais qu'il y a pas mal de skulls à un moment donné. Il y a une horde de connards, tout simplement. C'est dommage, Marco, hein. Regarde, à côté. Il y a une MG. Ouais, bah ouais, c'est ce que je vois. Boom, j'ai pas sur on peut pas la prendre. Oh l'enfoiré. Eh. Et il faut attendre, ils vont arriver. Ouais. Ah, ouais. Ah, ils arrivent d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais. Pour couscous. Ah, attends, je passe de l'autre côté parce que j'ai vu un skull. Il y en a un qui arrive derrière toi, deux skulls, Marco. C'est pas mal, ça. Ah, chaque MG42 et moi qui suis sur le champ de bataille, comme ça. Ouais, si tu crèves, tu crèveras tout seul. Et bien. On viendra te ressusciter à la fin. Aïe, merde. Eh merde, c'est les cons. Vas-y, tire leur dessus parce que c'est des skulls qui sont en pleine en armure. Ah putain. Et un coup d'explosif et ça marche, hein. Pas faux. Là, t'as les cons explosifs.
Putain, mais la MG42, c'est vraiment de la merde, hein, dans le jeu. Laisse tomber parce que ça vaut rien du tout. Bon, on se met en tête. Ah, tu peux pas les taper au sol, c'est con. Attention, un kamikaze vers toi. Bon, trop tard. J'ai crevé. T'es où? Ah non, c'est bon. Ah, les deux me sont tombés dessus, là. Les deux kamikazes. Kamikaze. Et surtout que moi j'ai pas trop envie de dépenser mes munitions de prêcheur parce que je pense qu'on aura pire après. Il me semble, ouais. Alors c'est pour ça, tu vois, le kamikaze c'est un peu con d'en tirer dessus, quoi. Et je vais même prendre mon panzer. Ah ouais, enfin en même temps c'est pareil, un panzer pour des squelettes en armure, c'est dommage. Bah c'est t'en dégommes une dizaine d'un coup, encore je dis pas, mais... Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Ah bah ouais, bah c'est sûr. Ah c'est sûr que... Qui sont cons? Mais qui sont cons? Mais c'est n'importe quoi. Et mec... Quand on est con. Ouais, on est con. C'est un espèce de champignon. Oui, oui. Quand on est con. On est con. Oh, qu'elle me trouve pas couillon, je sais pas, je suis couillon. Ouais, tiens. Une bastos, des bastos, toujours des bastos. Sur quoi il tire? Sur un élite qui était coincé sous la chenille du char. Ah oui, c'est vrai. Finalement, c'est pas un bug en fait. Hein. Ah non, c'était pas un bug. Hein. Non, on et... croyait au début, mais finalement, vu qu'on. Si tu le revois une nouvelle fois. C'était juste comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ils se sont amusés à faire une petite mise en scène. Ah, là, il y a tout un stack de grenades là. Si vous voulez remplir des grenades, il y a tout un stock ici. Moi, c'est les munitions de ma mitraillette que je voudrais. Je sais pas. C'est là où je suis. C'est dans le bunker d'à côté. Pour une fois qu'ils sont généreux, quand même, t'as vu la caisse de grenades. Ah. Putain, pour une fois, quoi. La caisse de grenades, il y en a à foison. Ça va. Elle est illimitée. Oh. Ah bon? Je pense. Je vais voir. Attends, je vais faire le test. Ouais, non, bah, peut-être pas du tout non plus. Non, mais c'est limité. Hein. C'est fini le 14 juillet, la Saint-Jean. La Saint-Jean? Ah, bah, beau ça. Non, t'as raison, ouais. Si la caisse enfin, illimité si on veut, il y en a moins dans la caisse quand même. Hein. Mais Ouais, au bout d'un moment, ouais, au bout d'un moment, voilà. Bon, moi je suis prêt. Marco, on y va? Rentrer dans la forteresse. Hein.
Heimlingling. Non, c'est pas par là. Heimlingling. Je sais pas où c'est que c'est, en fait. Je me souviens plus où c'est que c'est. Parce que là, j'ai beau faire le tour, il y a des barrières partout, quoi. Donc... Ah oui, d'accord, mais il fallait continuer, en fait, d'accord. Oh, c'est pas une forteresse, c'est le Pélégorie. Attention à ce qui va sortir. Oh, rien que des morts. Joli. Tu vois des corps couler, c'est une mal. Pas trop en retard. 2 MG42 les gars, on y va. Attendez les gars, j'ai besoin de retourner en arrière pour remonter ma santé. Ah bah du coup vous les avez terminés avec Ah bah je l'ai terminé avec la MG. Mais... Je lui ai MGT la gueule. Marco lui tirait sur le haut de la porte, moi je visais l'escalier. Arrête, si... Mais bon, tu peux t'arrêter. Tu peux te détendre un peu, connard. Détends ton string, il est trop serré. Ah, je veux te dire aussi, j'ai le cul qui me gratte. Ouais, mais fais gaffe, hein, c'est lui qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pousse. Pas faux. Donc fais gaffe, hein. Ah, ça peut être là, dangereux, hein. Après, tu fais ce que tu veux, cela dit, avec ton cul. Mais... Tout le monde tape sur le même mec, tu sais. On tape sur du nazi et ça fait du bien. Je savais pas que le bizutage ça existait encore. Oh le gars, il pleut du rouge encore. Ah. Je te l'ai dit, tu picoles. Ta gueule toi. Est-ce qu'on t'a demandé si ta mère fait du beurre ou de la crème? Non, bah alors. J'ai trouvé les escaliers, les gars. Oh là là, comment ça ferme des choses. Ah, on s'acharne hein, sur eux, hein. Allez, les gars, j'ai trouvé l'escalier. C'est bon les gars, je crois qu'ils sont morts. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Oh, attends, faut que je... Ah, trop tard. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais faire une épitaphe à un nazi. Voilà. Oh putain, on approche du boss. Le oh putain, boss c'est vrai. C'est crâne à la con.
Dégage toi. Oh mais c'est bon, ça commence les mecs. Mais non mais... Marco, tu restes en bas et tu nous couvres avec ta MG. Ouais mais là j'ai vu... Ouais non mais là, attendez là, grenade là. Parce que là... Wow. Oh putain voilà, merde, je te couvre. Bon alors attends, parce que là c'est pas bon ça. Faites chier les gars. Oh là là. D'accord, on a compris le truc. Putain, mais c'est quoi ce truc là, bordel? Descends les marches, Tom, je vais te couvrir avec ta MG. J'ai un peu morflé sur ce coup là. Avec les zombies explosifs, tu m'étonnes. Non, non, mais c'est vrai que c'est super chaud d'avoir les crânes si... Oh putain, mais foutez-nous la paix, là. Ouais, faut recharger son arme. Mais tout tu viens, toi. Tu viens par le dessus, toi. Bah, c'est abusé, ça. Ah bah bravo. Bravo, t'as un élite, là. Marco, vite, 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 viens nous aider, vite. Dépêche-toi. Laisse tomber la MG42. Vite. Il y en a une vingtaine qui arrive. Oh putain, merci. Oh putain. Ah là, on s'est fait envahir, non, mais méchamment. Vite. Hop là. Tac. Putain, merci, il m'aurait resté plus que... Ah non, mais il fallait que j'en dégomme 2-3 au prêcheur, parce que sinon... Oh non, non. Wow, ça va. Putain. Ça va, t'as rien. Bon bah ça va alors, c'est bon. Putain, mais comment ils veulent qu'on s'occupe de ce boss là, putain. Revenez au niveau des marches, je peux vous couvrir. Je vais voir si je peux avoir quelques munitions. Attends, moi, je vais y aller à la one again. Je regarde un peu. Je crois pas que... Ah ouais, t'as une MG ici, ouais, c'est pas mal ça. Mais... C'est bon, je l'ai buté. Oh bah ça va alors. Ouh putain, c'était un peu chaud du cul, hein. Voilà. Le dernier qui rentre.
C'était un peu chaud du cul, quoi, hein, mais c'est toujours chaud du cul, ici. Bah, ouais. Moi, comme d'hab, hein, je vise comme un aveugle qui est borgne. Ouais, mais ça va, je pense que c'était pas mal, la MG42, bon, tu nous as un peu aidé quand même, hein. T'inquiète, ouais, hein. Parce que... Non, mais je parle avec mon sniper. Ouais, non, mais ça m'arrive aussi de mal viser. On s'en fout, on est là pour s'amuser. C'est pas grave. Ah, et ça, ça détruit tous les zombies. C'est ça. Mais dans le 3, tu reviens parce que Manuel est de retour. Ah, tiens. C'est mouais. Il y en a qui se font de la gueule. Bah, on dira pas qui, hein. Manuel. Oh, Manuel. Ouais, c'est ça, ouais. Arrête-le. Arrête-le. Bon, 38 minutes, hein, quand même, sur ce dernier niveau. On a mis un peu plus longtemps à cause du boss. C'est ça. En fait, les MG, ils sont mal disposés, quoi. Ils couvrent les escaliers, mais c'est en haut qu'ils auraient dû les mettre. Moi, le défaut que je trouve, c'est que pourquoi il y a le lance-roquette, le fusil à pompe en arme spéciale, et pas un truc du style MG 42. Ouais, tu veux dire, ouais, tu veux dire le prêcheur, ouais. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'une MG 42, ouais, pourquoi pas. Bah alors du coup, les en soldats arme d'élite. Spéciale. Ah bah, regarde peut-être sur PC pour les mods, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a pensé peut-être à mettre une MG42, mais miniature. Mod, mod égale PC, on est sur PS4, c'est pas pareil. Bah... Je sais pas si t'es au courant, Marco, mais les Japonais sont en train de développer un action replay pour console. Ouais, mais bon, de toute façon, les mods, il y en a maintenant sur console aussi. Regarde, les gens qui jouent à Fallout 4, je crois qu'il y a des mods sur... c'était sur Xbox One, oh. Je crois. Ouais, à la base, ils l'ont mis pour Skyrim et pour Fallout 4. Ouais, ça doit être ça, ouais. À la base, c'était sur PC, mais comme il y a beaucoup de fans console qui l'ont demandé, ben, résultat des courses, ben, ils l'ont mis aussi. Bon bah voilà. Et donc voilà. Voilà. Et bah écoutez les amis, on va vous laisser. Prochaine vidéo, ce sera le premier épisode de, bah, du dernier. Le prochain shop. Oh là là, mais le mec, faut que t'arrêtes de bafouiller quand même. Prochaine vidéo, ce sera le début de l'épisode 3. Et ben bah, voilà. Je remercie Dark Dems et Aikus Templari. Merci à vous pour avoir fait les foufous avec moi. Bret. Et je m'étire. Bipi. Rut, ah t'es en rut. Oui. Et voilà, c'était Immortal 71 Camille. Ouais. Et puis donc bah voilà, on se retrouve bientôt. Ciao. Ouais. Ciao.